أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. أما بعد، avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire qu'il reste encore des packs de ruqya de libre. Vous avez peut-être une dizaine de packs de disponibles sur le site tyriaq.com, tyriaq.com, donc profitez-en. Dans cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai juste vu le début, ça m'a l'air intéressant. Donc apparemment, ça a l'air d'être une khutba, donc un discours du vendredi ou un discours tout simple. D'un shir donc qui parle de l'alliance des musulmans avec Ar-Rum vers la fin des temps et l'approche, la proximité de la grande mêlée qu'on appelle Al-Malhama Al-Kubra. Donc on a à différentes reprises parlé de ces événements eschatologiques, mais vous allez voir qu'il y a une information qui dit, qui est quand même intéressante et qui confirme ce que je vous disais. On va écouter ça. Donc au début il a parlé de la montagne d'or rapidement, la montagne d'or. Et ensuite, il a parlé d'un des signes qui était un incendie que le prophète avait annoncé et qui s'était déroulé déjà 6 siècles après le prophète, alayhi salam, en confirmant donc c'était donc les signes de la fin des temps annoncés par le prophète étaient véridiques. Donc ne doutez pas de ce qui arrive dans le futur. Et on va écouter la suite. Bismillah. Parce que c'est une vidéo qui est un peu longue, donc je suis obligé de prendre qu'un extrait. فالذي لم يحصل بعد سيحصل ولا شك. من هذا نتكلم عن شيء من الملحمة الكبرى القادمة، فإن الحرب الحالية بيننا وبين الصليبيين واليهود، وحربنا حقيقة الآن بين الصليبيين واليهود. Donc il parle de la bataille actuellement qui oppose les musulmans, savoir contre les Yahoud et les Salibiens, les croisés. هي حرب مقدمة لحرب ملحمة قادمة. خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت. Donc il dit que c'est le prélude d'une autre bataille donc qui arrivera, on ne sait pas quand exactement, mais prochainement. Donc il y a un compagnon qui s'appelle Auf ibn Malik al-Ajja'i qui se présente au prophète durant la bataille de Tabouk. Le prophète est dans une tente faite de cuir tanné et le prophète lui dit compte 6 événements, d'accord, entre les mains de la fin des temps. قال ثم فتح بيت المقدس وقد فتحه عمر رضي الله تعالى عنه. Donc les deux premiers signes, donc la mort du prophète alayhi salam, secondo l'ouverture, la libération d'Al-Quds, donc qui a été faite par Omar ibn al-Khattab qui a libéré les lieux saints. Comme vous le savez, il a fait ensuite le pacte omarien. قال ثم موتا يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتا يعني موت كثير. يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وعاص الغنم دابة كانت تأكل الغنمة في أنفها أو يسيل دم من أنفها بسبب هذه الدابة فتموت الغنمة أو الشاة. مات خلق كثير من الصحابة في طاعون عمواس. Donc le prophète a dit deux grandes épidémies qui sont telles des pestes de camélidés et qui vous toucheront, d'accord. Il y en a une qui s'est déroulée, la peste qu'on appelle Ta'un Amwas. Amwas qui s'est déroulé durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et ensuite le prophète a dit une période d'aisance, d'accord, peut-être fitnatu sarra, la fitna de l'aisance, ou quand on donnera 100 dinars d'or à quelqu'un, un musulman, il ne le prendra pas, tellement qu'il y aura des biens en abondance.
لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. فتنة عظيمة، قيل فتنة التي حصلت مع الصحابة في قصة عثمان رضي الله تعالى عنه وما أعقبها، وقيل فتن كثيرة، لكن على كل حال خذها هكذا. Et puis une subversion. Lui, il dit que c'est la subversion qui a touché Uthman, mais je pense pas. Vous allez comprendre pourquoi. Une fitna qui pénètre toutes les demeures. En fait, c'est comme c'est la fitna de Duhayma. Le prophète dit qu'elle giflera tout musulman. D'accord. Et la fitna de Duhayma, on a une explication là-dedans, en tout cas un indice, c'est que le musulman se lèvera mécréant, se couchera musulman et vice-versa. Bon, déjà, ça a commencé, hein. Il suffit de voir TikTok, tous ceux qui se moquent de la religion, qui insultent, hein, qui disent Na'al, et ensuite vous connaissez la suite. Ça suffit à en faire des apostats, tous ceux qui aujourd'hui, toutes ces vagues d'apostats qui essayent de faire un peu de bruit pour essayer de jeter des ambiguïtés dans le cœur des musulmans, ainsi de suite. Tout ça, c'est, voilà, c'est le début de cette vague d'apostasie qui est aussi annoncée aussi dans la Bible. هدنة ثم هدنة بينكم أو تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم. هدنة، هذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. Puis l'alliance avec qui? Avec Banu al-Asfar. Alors Banu al-Asfar, pour moi, c'est l'Occident, d'accord? Les chrétiens d'Occident, lesquels, ça c'est autre chose, d'accord? Ça peut être les anglicans, ça peut être les évangélistes, ça peut être tout cela en même temps, les catholiques. Et d'autres, bien sûr, comme Ayman al-Hussein et d'autres, pensent que c'est les Russes. غزوة التبوك. لماذا غزوة التبوك؟ قالها قد ذهب لقتال الروم النبي صلى الله عليه وسلم. كان الروم قوة عظيمة جدا، بل هي أقوى قوة في ذلك الزمان مع الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي ستكون هدنة، صلح بيننا نحن القلة المسلمون، هدنة بيننا وبين أعظم مملكة في ذلك الزمان. هذا من علامات النبوة. وقد حصل عندما هزم المسلمون الروم وتشتتت ممالكهم، هذا كله مصداقا لأحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، تكون هدنة. وقد بدأت الهدنة في هذا الزمان، وهذه أول مرة في تاريخ المسلمين، لتنتبه، أول مرة في تاريخ المسلمين في هذا الزمان تحصل هدنة بيننا وبين الروم. قبل ذلك لم تحصل إلا بشكل فرادى بعض الدول مع العثمانيين أو مع بعض المسلمين، ولكن أن يكون الروم جميعا يصالحون المسلمين هذا لم يحصل إلا في هذا الزمان. الروم عندما En plus, le prophète, quand il parle de ce hadith, il est dans la bataille de Tabouk et il va combattre qui? Rome, les Byzantins. Et il explique que ce sera le plus grand traité entre les musulmans et Ar-Rum. Et le prophète dans des hadiths parle énormément de Rum, des Rum seront vos compagnons jusqu'à la fin des temps. Rum, celle qui a plusieurs cornes maritimes et terrestres, en parlant donc des cornes, c'est les puissances, les hégémonies. Ici, dans la vidéo, il est marqué Ar-Rum hum Banu al-Asfar. Donc Rum, ce sont les Banu al-Asfar. Banu al-Asfar, à mon avis, c'est parce que c'est des gens qui sont blonds en général. Il dit ici, c'est l'Amérique et l'Europe. Donc ça rejoint en tout cas mon opinion. Et il dit, ce sont ceux de la descendance d'Ishaq, alayhi salam, donc Ezo et Jacob, alayhi salam. لأن أصلا أوروبا أمريكا هي شعب أوروبي احتل أمريكا وقتل الهنود الحمر، تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم. قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، غاية أي راية، تسمى غاية أي لأن الجيش يتبعها، أي غاية ما يتبعونها تسمى غاية. قال تحت كل غاية 12,000، يعني 960,000 مقاتل رومي يغزو بلاد المسلمين غدرا، يعني مليون شخص سيأتي لقتال المسلمين. هذه الملاحم الكبرى. Donc ensuite une traîtrise avec combien 960 000 de Rome qui vont rompre le pacte et aller combattre les musulmans. ما قصة هذه الملحمة في حديث آخر رواه أصحاب السنن عن ذي مخبر أو ذي مخمر روايتان الحبشي جاءه جبير بن نفير يسأله عن تلك الهدنة. قصة هذه الملحمة في حديث آخر رواه أصحاب السنن عن ذي مخبر أو ذي مخمر روايتان الحبشي جاءه جبير بن نفير يسأله عن تلك الهدنة، يسأله عن الهدنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصالحون الروم صلحا آمنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، وفي رواية من ورائهم.
Donc ici, c'est un autre hadith, d'accord? Un compagnon va demander à notre compagnon quelle est donc cette alliance qui se passera avec Rome par la fin des temps. Et lui, il explique que le prophète a dit, vous allez faire un pacte de paix, d'accord? Sulhan Amina, avec donc Bani al-Asfar, au Rome, contre un ennemi de derrière vous, pour combattre un ennemi de derrière vous, dans une autre version, de derrière eux. D'accord? Donc, à mon avis, c'est la position géographique. يتحالفون مع المسلمين وهنالك تحالف كبير والله تعالى أعلم هنالك تحالف كبير قادم بين المسلمين وبين الروم. Donc il dit voilà, il dit je pense que l'ennemi qui que cet ennemi là sera al-Mashriq. Al-Mashriq, j'en ai déjà parlé dans énormément de hadiths, surtout dernièrement la corne de Shaytan, le prophète qui montre la direction ainsi de suite. Al-Mashriq céleste, c'est la Russie, la Chine, les pays d'Asie mineure, ainsi de suite, l'Iran, tout cela. Même peut mettre les pays du Golfe avec ces cadeaux. Mais il précise qu'il n'en est pas sûr. Regardez ce qu'il va dire là maintenant, parce que je n'ai pas vu la vidéo encore, il va détailler quel est le camp, ce camp-là. وأقول المشرق الصين روسيا la Chine la Russie إيران l'Iran كوريا الشمالية et la Corée du Nord ومن معهم et ceux qui sont avec eux والله تعالى أعلم هذا هو الشرط الذي سنقاتل مع الروم هذا العدو قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنصرون وتغنمون وتسلمون le prophète il dira vous allez gagner vous allez avoir du butin et vous allez être épargné ننتصر ونغنم نأخذ غنائم ونسلم لا يصيبنا أذى في هذه المعركة الكبيرة قد تكون هي المعركة الحرب العالمية الثالثة ولكن هذا Il dit ça peut être aussi, on peut la qualifier de troisième guerre mondiale. هذا علم غيب الله تعالى. Pour ça que c'est pas de la rigolade, là pour l'instant c'est théorique ainsi de suite, mais il faut savoir où vers où vous dirigez, d'accord? Ne vous trompez pas de camp. نسلم لا يصيبنا قراح ولا Parce que quand on regarde la réalité, il y a le camp du hadith, ça c'est la réalité, et ceux qui vont être sauvés, ceux qui veulent la sunna, et vous avez le camp de la parole, des beaux discours, de la politique, de ce que les gens voient de leurs yeux, la politique actuelle, ainsi de suite. Ne vous fiez pas aux apparences. مرتفعة قليلا ينزل المسلمون والجيش الآخر من الروم فيقول نصراني انتصر الصليب فيغضب المسلم فيقتله وفي رواية فيدقه فيغدر الروم في رواية تحصل هنالك ملحمة أو معركة يقتل فيها المسلمون ويكونوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم وتبدأ القتال بيننا وبين الروم ويبدأون يتجهزون لنا تحت 80 غاية كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il explique les circonstances de la malhama qui va se passer par la suite, suite à cette alliance. Il y a l'alliance, il faut bien comprendre les étapes, l'alliance avec Rome contre l'ennemi commun. Donc déjà en soi c'est une grande guerre. Et ensuite la malhama, la grande mêlée qui va opposer à Rome avec qui les musulmans étaient alliés. Et ils vont être dans un endroit qui est un endroit, comment dire, on peut qualifier de marécageux si je ne me trompe pas. En tout cas c'est une plaine. Et à ce moment-là, il y a un chrétien qui va dire « On a gagné grâce à la croix » et le musulman va le tuer, et ainsi de suite. Et c'est là que ça va commencer, d'accord, une bataille pendant qui va se dérouler en 4 jours, d'accord, si je me trompe pas. Si vous voulez qu'on voit la suite de cette vidéo, parce qu'elle est quand même encore, il y en a encore pour 10 minutes de plus, donc avec le décryptage, ça fait plus. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, en tout cas, je trouve ce sujet très intéressant. C'est bien d'écouter d'autres chiirs, d'autres prédicateurs, ainsi de suite. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.